quel défilé 10 Chinois, puis un, puis vous ne savez pas lequel c'est. Hein? Moi, à force de travailler dans ce sens, ça m'arrive un peu maintenant avec tout le monde, ce qui peut être très gênant. C'est-à-dire que chacun devient tout le monde. Chacun devient tout le monde, oui. Tout en restant particulier. Mais le particulier devient un inconnu. Enfin, ça devient une espèce de... J'ai l'impression qu'on s'embrouille dans une espèce de... Qu'est-ce qu'on peut dire? De spirale. Et d'ailleurs, quand on passe d'un de vos dessins à un autre, on a la curieuse impression de ne pas avoir quitté le premier dessin. On a l'impression que tout ça communique. Ben, il y a... toujours le même. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Donc, je pourrais très bien passer à toute ma vie, enfin, avoir le même modèle tous les jours et ne voir que la même personne. Hein? Ce que j'ai fait, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Mon frère m'a posé tous les jours de 35 à 40. Tous les jours. Le modèle en même temps. Hein? Il y a un ami qui me posait pendant 3 ans, tous les étés, toute la journée. C'est-à-dire, je ne voyais que lui. Et j'ai un modèle qui me pose le soir, que vous avez vu là, mm-hmm. qui me pose maintenant depuis 2 ans et demi, régulièrement. Il est là à 9h, jusqu'à minuit, 1h. Je crois, en 2 ans, il y a eu peut-être 4 soirs ou 5 où on n'a pas travaillé. Mais je ne fais que commencer. C'est comme si la réalité était cachée sous des rideaux, hein, que vous enlevez peu à peu, non? Il y en a toujours un autre. C'est comme un oignon qu'on épluche. Exactement. Et on n'arrive jamais à la... Qu'est-ce qu'on peut dire? Au corps de l'oignon. Au cœur de l'oignon. Jamais. Nous en étions là de notre dialogue avec Giacometti lorsque nous eûmes la possibilité de partir pour Zurich et de voir dans le musée de cette ville une des plus belles expositions de ses œuvres. Là, soudain, il fallait se taire et voir, s'approcher et confronter les formes de sa sculpture aux souvenirs très vifs que nous gardions de ses confidences.
Giacometti, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés à Paris, vous étiez en train de fabriquer la sculpture. Aujourd'hui, à Zurich, vous êtes un peu comme un berger qui voit tout son troupeau. Il y en a partout. Quelle impression cela vous fait-il? Ben... Hier, en revoyant l'exposition, je trouvais tout ça très très joli. Momentanément, en tout cas. Trop beau. Alors ça m'inquiète un peu. Et pourquoi donc? Parce que si vraiment je resterais aussi content que j'étais hier, ça voudrait dire, en contradiction avec ce que je pense en général, non? Ou que je n'ai plus de jugement critique, ou que je suis tombé en tel état, hein, qu'il ne me reste plus rien à faire. Ben, c'est un peu quand même toute votre vie, là, que vous voyez en une salle. Ben oui, mais c'est... Enfin, d'une certaine manière, ça n'a pas commencé. D'une certaine manière, ça n'a pas encore commencé. Phrase énigmatique pour qui regarde une si grande profusion d'œuvres, modestie, pessimisme, humour, peut-être les trois à la fois. Historiquement, chronologiquement, feuilletant le catalogue, nous savions que ces sculptures-là, par exemple, elles nous ramenaient à l'époque surréaliste de Giacometti. Peu de temps après son arrivée dans les heures chaudes du Montparnasse, des années 1920-1925. Quand je suis arrivé, c'était au fond la fin. Et puis en plus, pour un étranger, il n'y a rien plus difficile que d'entrer en contact avec des Français, n'est-ce pas? C'est un mur. Je suis arrivé à Paris, j'ai connu ce qui était la Grande Chaumière, c'est-à-dire c'était uniquement des étrangers, sauf un Français, hein? D'ailleurs on voyait très peu. Et j'étais jusqu'à vers 30 sans connaître un Français. Hein? Oui, 28, 28 et encore. Hein? C'est comme un mur. Alors, on est un peu là, tout en étant comme dans un parquet ailleurs, non? Alors j'ai commencé par voir des Yougoslaves, parce qu'ils travaillaient ensemble à la Chaumière, après des Suédois, enfin j'ai vu, sans avoir tellement de contacts. En fait, je me sentais très seul. Hein? Je ne me plaignais pas, c'était très agréable. Et puis quand j'ai connu, par ce que je faisais, je sais, j'ai connu Masson à une exposition, le jour même, j'ai connu une bonne partie de mes amis qui sont encore aujourd'hui. C'est-à-dire Masson, Bataille, Léris, Desnos et Queneau et beaucoup d'autres. C'est pas? Et du coup, c'est comme si j'avais toujours été là. C'est pas? Au fond, même la vie avec les gens d'ici, ça a commencé autour de 28-30, n'est-ce pas? C'était l'épopée surréaliste, ça. C'était déjà la fin, au fond.